Coucou les amis, je vous rejoins aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la présentation des box beauté du mois que je reçois et je viens de recevoir donc la dernière qui s'appelle la Beautiful Box. C'est pour ça que je l'attendais en fait avant de vous la présenter. Elle est vraiment arrivée tardivement, c'est ce que je reproche à Beautiful Box, c'est que ben, les box arrivent de plus en plus tard. Donc voilà, ben, ça c'est vraiment un problème je pense pour certaines personnes. Comme pour moi, petite youtubeuse que je suis, j'aime bien recevoir mes box en début de mois. Je ne vois pas l'intérêt de les recevoir en fin de mois. Voilà, à un moment donné, il va falloir vous réorganiser. Hein. Le mois de septembre, c'est début septembre, c'est pas fin septembre, début octobre. Ça, c'est vraiment un message pour Beautiful Box. Sinon, tout va bien. Donc, la Birchbox arrive toujours en début de mois. Et ce mois-ci, c'est Hello Beauté. Vous avez dû en voir pas mal sur YouTube. Mais on n'a pas tous les mêmes produits. Donc, comme d'habitude, vous avez ce petit fascicule Birchbox que j'aime beaucoup parce qu'il vous explique vraiment tous les produits que vous allez recevoir. Voilà. Et puis derrière, vous avez en plus des informations sur la boutique, sur Paris, ainsi que des choses intéressantes. Vous avez également 15% de réduction, voilà, sur tout le shop. Donc voilà, donc ça c'est un petit fascicule que j'aime beaucoup. Hello Beauté, les explications du concept, etc. Alors, pour ce mois-ci, en premier produit, j'ai reçu donc ce Mineral Body Lotion, voilà, de la marque Aava, en millilitres, je sais pas ce que ça donne. Ah si, il est là, 40 ml, donc c'est pas mal, franchement, c'est un bon contenant, 40 ml, c'est pas mal du tout, pour un essai produit, moi je dis ok. Ensuite, j'ai reçu du shampoing sec sous cette forme, hein. J'avais jamais eu cette forme-là, donc très solide, hein. Dry Shampoo Paste Shampoing. C'est un petit contenant de 71 grammes et j'ai hâte de tester ça. Jamais testé du shampoing sec comme ça, donc ça j'ai vraiment hâte de tester. Voilà. Dommage qu'il est tout petit, mais bon, c'est pas grave, un essai. Hein. J'ai reçu ce mascara, donc on avait le choix sur trois mascaras. Moi, j'ai pris le Model & Co. Voilà, qui vous fait des cils super glamorous. Voilà, je suis très contente de l'avoir reçu. Franchement, j'aime beaucoup la box. Cette box de ce mois-ci, elle est pas mal du tout. J'ai pris une crème, enfin, on m'a donné, pardon, je n'ai pas choisi, Effiderm crème fluide hydratante. Donc ça, c'est à tester. Hein. Célirepup complexe et acide hyaluronique. Donc ça, c'est pas mal, surtout à partir de 40 ans, enfin même à 30. À partir de 35 ans, je pense qu'il est vraiment important de se mettre de l'acide hyaluronique sur le visage puisqu'on en perd énormément et à un moment donné, on n'en a plus. Notre visage en a vraiment, vraiment besoin. J'ai reçu également ce gommage tendre Ice Pure au coton arctique. Voilà, c'est un petit gommage polaire. Donc ça, c'est bien pour les pour froid qui arrive. Donc franchement, la box, elle est tip-top. Voilà, les produits. Je suis vraiment contente de cette box. Vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la Birchbox, vous avez assuré. Et puis Birchbox, au moins, c'est toujours les boîtes... soit tiroir, soit ouvert, enfin voilà, on perd en main, donc ça c'est cool. Ensuite, la deuxième box que j'ai reçue, c'est celle-ci, donc rouge de My Little Box. J'adore la boîte, franchement la boîte elle est juste magnifique, avec toutes les petites bouches, My Little Box. Alors, premier cadeau, le t-shirt My Little Box, My Little Paris en fait. Les filles de Paris, ici, alors ça c'est bien parce que au moins... on n'a pas perdu. Qui sont les filles en rouge? Voilà, donc on vous présente pourquoi les filles en rouge. Voilà. Hop, et puis il y a tout un journal. Tout un journal. Et voilà, t-shirt. Porté. Oh les filles. Oh les filles. La vie parisienne en 2017. Le rouge de My Little Box. Ça, j'aime beaucoup. Alors, les produits. Donc, on avait trois produits qui étaient dans ce petit pochon. Enfin, pochon. Petit sachet. Pareil avec les bouches sur le côté, franchement sachez les petites têtes. Il y a autre chose aussi, je trouve que c'est une carte. Ah ça c'est par rapport au rouge à lèvres, rouge à lèvres My Little Beauty. Il est vendu 13 euros sur le site.
Alors, le rouge à lèvres, il est comme ceci. Hein, magnifique, franchement. Je suis désolée, j'arrive pas à tenir ma caméra. J'ai des crampes dans les mains. Voilà, le rouge à lèvres. Donc, c'est un vrai petit rouge. Franchement, le packaging est juste super. Donc ça, parfait, nickel. On a reçu également un mascara. Pure Color Lash Multi Effect. Black. De la marque Estée Lauder. Donc ça, tip top. Franchement, ne serait-ce que pour la marque, hein, c'est wow. Très très bonne marque. Ensuite, on a reçu un Preclinse Balm, voilà, dermatologique. Je suis désolée, je perds beaucoup de temps à ouvrir les boîtes. Ça se présente comme ceci. Donc ça, c'est un savon pour le visage, et vous avez également à l'intérieur cette petite chose. Ça, c'est plutôt sympa, une petite coupette, voilà, pour bien frotter. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc oui, cette box, elle est pas mal, franchement. Les produits sont sympas. Bon, c'est vrai que c'est assez léger, mais bon, ça va, ils sont restés dans le thème. On a notre petit cadeau, le t-shirt, hein. très bien. Et enfin, la box Beautiful Box que j'ai tant attendue, parce que attendre autant de temps, c'est oui. Donc pareil, packaging magnifique, avec des petites couronnes, d'anthème, des fleurs, Sleeping Beauty. Un peu dans le thème de la Belle au Bois Dormant, vous savez. Là, vous avez un lit en plus, voilà, un lit. Ouais. Nickel. La box nickel. Et là, voici les cadeaux. Donc, on a, je pense que ça, c'est un goodies. Ouais. Donc, on a ceci que je vais ouvrir à la fin. Donc, pour commencer, je vais commencer par ça. C'est une Pure Perfection masque gomme de nuit de la marque Sempare. Donc, ça, je vais tester. C'est un petit contenant, c'est dommage, mais bon, voilà, hein, c'est à tester au moins. Ensuite, on a une crème Global Protection Day Cream. Donc ça, c'est une crème de jour à 50 ml de la marque Rennes. La marque Rennes, c'est une très 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 bonne marque qui est très très connue. Voilà, ça fait ses preuves. En plus, il y a une pompe, donc ça, c'est nickel pour une crème de nuit. J'aime bien quand c'est à pompe. Moi, j'aime trop les produits à pompe. Donc ça, oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Ensuite, on a un crayon ici de la marque Yes. Voilà, c'est un eyeliner. Eyeliner, je crois qu'il est doré. Non, il est de couleur rose. Ouais, je pense que ça va faire une couleur un peu nude. Ouais, couleur nude. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on a ceci. Waouh, le packaging est super, super sublime, sublime. Je suis désolée, j'ai vraiment beaucoup de crampes dans les mains. Je sais pas ce que j'ai, mais je dois être fatiguée, je pense, pour avoir autant de crampes. Et voilà la beauté du truc, c'est magnifique. Et ça, apparemment, c'est un rouge à lèvres magique qui s'adapte à vos lèvres et qui donne une couleur plus ou moins rosée, argent rosé, pailletée, un peu bizarre. Mais on n'a pas tous la même couleur quand on porte, apparemment. J'ai toutes les petites de rouge à lèvres. Voilà. Faites sortir le bâton du rouge à lèvres, c'est un petit triangle. Passez-le très délicatement sur les lèvres, sans trop. Et puis attention, surtout pas de pression trop forte. Pas besoin d'assister plusieurs fois à ce passage. Et oui, la magie opère du premier coup, un simple passage. Et vous n'avez plus qu'à guetter la teinte unique que prendront vos lèvres. Voilà, donc c'est un rouge à lèvres qui donne une teinte unique. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, ce que je reproche à cette box, c'est vraiment un manque d'informations. Il n'y a pas de fascicule. Voilà, vous avez juste cette petite carte sur le rouge à lèvres, mais sinon. Ouais. Et on a cette crème pour les mains, fraîcheur, extrait d'algues marines, Refreshing Hand, panier d'essence. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le packaging est juste magnifique, made in France.
Donc franchement, ouais, non, top, 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 top. Top, top produit. Hein. 30 ml, donc super contenant. Voilà, ça a été fabriqué à Marseille, en France. Franchement, nickel. Donc, oui, j'aime toutes mes box de ce mois-ci. J'ai juste un petit problème avec la Beautiful Box qui arrive de plus en plus tard. Et ça, c'est pas normal. Franchement, à un moment donné, parce qu'ils le savent. Donc, voilà. Et aussi, un manque d'informations, un manque de fascicules. C'est dommage pour la Beautiful Box. Parce que sinon, les produits sont tip-top. Voilà. La My Little Box de ce mois-ci, elle est un peu légère. Mais bon, elle est sympa quand même. Et Birchbox reste fidèle à ce qu'ils sont. Voilà, il n'y a pas de tromperie, il n'y a rien du tout. Enfin, je dis pas que les autres me trompent, mais quand même. Enfin, voilà, un petit fascicule. Et puis une date, quoi, une vraie date. Ça, ce serait vraiment sympa. Pour qu'on puisse faire nos vidéos à temps déjà, parce que à cause de vous, on ne peut pas faire nos vidéos. Voilà, je vous ai mis une petite musique zen durant toute cette présentation. J'espère que vous allez aimer la vidéo, que vous allez la liker, que vous allez la partager. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Si je fais la vidéo en même temps, c'est pour vous présenter vraiment toutes les box en même temps. Et ça vous permet de les comparer et de vous faire une visite. J'ai oublié, je crois, de vous présenter ceci de ma Beautiful Box. Je vais l'ouvrir et je vais vous montrer ce que c'est. Ah, ça y est, je vais l'ouvrir. C'est une bague. Ah, c'est génial. En plus, en rose gold et en plus, elle s'adapte aux doigts. Donc, en fait, c'est une petite bague. Génial. Voilà. L'ouverture est en fait. Et j'avais, pareil, pas reçu ma boîte Birchbox du mois d'août que j'ai reçue en même temps que la... celle du mois de septembre. Donc, je vais vous la présenter, mais vraiment vite fait. Donc, dedans, vous avez une Body Exfoliant Scrubber que j'avais déjà reçue sur une autre box. Un spray pour les cheveux. Donc, ça, c'est pas mal. Je vais tester 30 ml. Une crème hydratante à la grenadine. Un lip care à la grenadine. Pomme grenade. Super bon. De la marque Renne encore. Vitalizing Night Cream. J'aime bien cette marque. Vraiment, je suis contente d'avoir reçu cette marque. Et puis, un petit crayon de la marque Sumita. Un crayon noir, donc ça c'est nickel, en plus il est petit, c'est parfait. Donc voilà, ça c'est la box du mois d'août que je vous présente en option parce que je l'ai sur mon temps. Voilà, voilà, et j'aime beaucoup la box, vous avez vu, hein. On a beaucoup parlé sur internet. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Bisous, ciao, ciao.